Il ne vous a pas échappé que j'avais une certaine dent contre les poètes. Rien n'est plus pathétique pour moi que le type qui écrit un texte d'une page ou deux pages et qui va le réciter à gauche et à droite. Qui va le lire à gauche et à droite. Regardez mon dernier texte. Alors, tout à l'heure, on était avec Philippe Friedman. Lui, il a voulu le répéter. Alors, à moi, après, il l'a encore répété, puis il trouve une question, etc. Et on est une sorte de jouissance à lire ce texte et à nous le faire, à nous obliger quelque part à l'écouter. Et là, je parle d'un viol psychologique. C'est que j'ai une théorie sur le viol. Il n'y a pas que le viol sexuel, il y a aussi les gens qui vous forcent à écouter ce qu'ils ont à dire. Non, laisse-moi parler, laisse-moi là, je veux terminer ce que j'ai à dire. Écoute, tu es obligé de m'écouter. Ben, c'est du viol. Mettre quelqu'un en situation de vous écouter obligatoirement. Non, on peut très bien ne pas vouloir écouter, on peut très bien interrompre, on peut très bien dire voilà, non, voilà, ça j'ai compris, j'ai pas envie d'entendre plus, etc. On a tous les droits, on n'a pas besoin de s'obliger à écouter quelqu'un. Si on le fait, c'est parce qu'on a envie de le faire, ou parce que après on pourra réagir, mais c'est pas il n'y a pas de rigueur à ce niveau-là. Donc quelqu'un qui... Alors ce texte, donc justement, comme je disais dans une précédente vidéo, il est censé avoir un impact immédiat, n'est-ce pas ? C'est très viscéral le langage à ce niveau-là. Les mots provoquent quelque chose, provoquent des émotions, provoquent des sensations. Et on veut, voilà, et donc on vous lance ça à la figure en disant voilà les sensations que je vais provoquer en toi. Moi je ne suis pas d'accord. Moi je veux dire que les gens vivent comme ça entre eux, ça c'est pas un problème. J'ai toujours dit que les gens pouvaient fonctionner comme ils voulaient entre eux. Mais il ne faut pas sortir du groupe auquel on appartient. Alors, effectivement, moi je dis non, il n'y a pas de raison. D'abord, un texte poétique, c'est censé avoir une signification immédiate. Aujourd'hui, n'est-ce pas, le texte, voilà, il faut le lire, la chanson, voilà, tac, tac, tout de suite, réaction, et puis tout le monde réagit de la même manière, parce que quelque part, on est tous formatés pour réagir à certains mots, et depuis la plus tendre enfance. Ce qui fait qu'à mon avis, les poètes, ce sont des grands-enfants, en fin de compte, qui n'ont pas mûri, qui n'ont pas... Voilà, parce que le niveau... D'ailleurs, à l'école, on apprenait à réciter des poèmes par cœur. Hein. C'est un niveau zéro, quelque part, de la culture. Méfions-nous des poètes, parce que les poètes sont des gens qui sont prisonniers des mots et qui utilisent les mots, le poids des mots, n'est-ce pas ? Le poids des mots. Alors là, voilà, comme je vous envoie ce mot à la figure, c'est aussi les gens qui insultent. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui vous insulte ? Ben, c'est quelqu'un qui s'imagine que parce qu'il va employer ce mot-là, ça va vous frapper, ça va vous choquer, ça va vous ébranler. Bon. Et quand ils voient que ça ne nous ébranle pas du tout et que ça ne provoque pas de réaction, ben ils sont déçus. Mais c'est toujours la même chose, c'est cette idée, n'est-ce pas, de le mot comme une arme. C'est pour ça que je vous dis, quelqu'un qui vous insulte, c'est aussi une forme de viol. Quelqu'un qui vous force à écouter un poème, voilà, l'amoureux transi qui envoie un poème à sa bien-aimée, etc. On pense à Cyrano de Bergerac, mais bien d'autres. C'est la même chose, c'est des trucs qui ont déjà été écrits, qu'on répète, et qu'on répète indéfiniment. Moi, je trouve ça assez pathétique, cette fonction, par rapport à celle du philosophe, de celui qui argumente, qui discute d'arguments, et qui n'a pas une vision figée. Avec Friedman, les mots, le mot, si on emploie le mot raciste, toc, ça veut dire quelque chose. Si on emploie ce mot-là, alors une fois qu'on l'a dit, ce mot-là, c'est gravé dans le marbre, hein, c'est comme ça, ce mot a été dit, vous avez dit ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? Oh là là, et quand on dit qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire je sais très bien ce que vous avez voulu dire. Ou ce mot, et puis si vous avez employé le mot témoignage, ah mais pourquoi témoignage? Pourquoi expérience? Tout de suite, ça va faire l'objet d'une discussion, mais alors là, c'est pas la même chose. Là, c'est pas une argumentation. C'est parce que ce mot-là, il fallait pas l'employer. Il ne s'agit pas de savoir comment on veut l'employer, mais non, il ne fallait pas l'employer parce que pour moi, ça veut dire ça et pas autre chose. Et je l'ai vécu comme ça. Voilà ce qu'il raconte. Bon, tout ça, voilà, voilà ce que je voulais vous dire. J'aimerais bien que vous réagissiez à ce sujet, mais il est clair que la poésie, la chanson,
tout cela, c'est, on est dans l'infantilisme.